s'il vous faut, qui fait des grands gestes à l'arbitre aussi, la juge de Lille qui se demande qu'est-ce qu'Anthony Sougouf vient lui raconter. Oberle qui va pouvoir dégager 5 secondes encore et ça va faire du match. Les SR de Léon créent l'exploit ici du côté de la Blancherie de Léon qui est en quart de finale exceptionnel. Les SR de Léon qui nous ont proposé évidemment la Blancherie qui est envahie comme lors des 16e de finale. Moi je viens de vivre une aventure très claire. Et ce genre de match, elle lance l'aventure que nous on veut écrire. Soit vous voulez être 8e en championnat éliminé en 32e, soit vous voulez rêver. Moi dans ma tête je m'en fous. Je me dis que je la gagne la conscience. Et ouais, je dis franchement, rien à foutre. Peut-être que je vais sortir aujourd'hui. Et au fond de moi, je vais la gagner. Wow, c'est magnifique. C'est le plus bel événement de l'année. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est la récompense pour tout un groupe, tout un club et puis ben pour nous tous. Je me présente, je m'appelle Matteo Sesca. Steven Oberle. J'ai 25 ans. 31 ans. Je suis actuellement capitaine au SRD Léman. Gardien de l'SRD. Ma responsabilité au sein de l'équipe, c'est d'emmener le plus possible mes coéquipiers avec moi afin qu'on puisse acquérir les objectifs du club. Comme gardien, je dois prendre la responsabilité sur le terrain. Je dois beaucoup parler, je dois être focus. J'ai rejoint le club il y a 2 saisons maintenant pour un grand projet sportif, notamment une accession en Promotion League qui a été obtenue récemment. Der Eis bei Dölemo hat jetzt im Sommer angefangen und seit dem ersten Training muss ich sagen, ist sehr, sehr sympathisch. Es ist ein klarer Weg, wo man will gehen. Le foot, ça représente beaucoup. J'ai commencé le foot, j'avais 5 ans. C'est toute ma vie. J'étais formé au FC Sochaux. Donc, je passais plus de temps à jouer au foot qu'à aller réellement à l'école. J'ai joué à Bâle pour le FC Black Stars, Old Boys et Muttenz. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, en vivre et que ce soit mon métier. Donc, c'est bien plus qu'une passion, ça représente énormément pour moi. Et puis voilà, quoi, c'est toute ma vie. Ça résume une grande partie de ma vie en tout cas. Le football est une grosse Leidenschaft seit klein auf. Je spiele schon seit ich laufen kann, seit ich drei Jahre alt bin. Ja, es ist im Herzen, es ist jedes Wochenende präsent. Es entscheidet die ganze Woche mit, jeder Match ist entscheidend. Du bist immer fokussiert, du triffst dich im Training und an den Match mit Freunden und Familie, die das Spiel schauen können. Und es begleitet dich eigentlich ja, das Leben lang, das wird nie aufhören. Und wegen dem bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Stopp hier bei Dölemo jetzt machen darf. Und hoffentlich auch noch einige Spiele auf der Blancherie erleben darf. Mit einem riesen Support und genau in so einem Verein. Dürfen Fußball spielen mit dieser Unterstützung. Wegen dem hat man als kleiner Bub mal angefangen. Mon parcours, on va dire que je suis arrivé, j'ai dû faire ma place. Très vite, j'ai été mis en place dans l'équipe, ça s'est toujours plutôt bien passé. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu acquérir pas mal de responsabilités au sein de l'effectif. On a eu un changement de coach qui m'a donné beaucoup de responsabilités et on a pu réussir à mener à bien les objectifs du club. Moi, je suis très heureux d'être votre coach aujourd'hui. Très heureux de reprendre ici. C'est un club qui m'a marqué. Je suis vraiment... Enfin, c'est presque ému de revenir ici parce que il y a une atmosphère qui me tenait à cœur. Et puis, je sais que vraiment, on a des objectifs qui sont importants. Donc, c'était vraiment très important pour moi d'être là aujourd'hui. On a une grosse saison. Et puis, c'est vraiment une belle chose de pouvoir partager ça avec vous. Un, on veut gagner le championnat. Deux, on veut se qualifier en plus. Mais trois, c'est le plus important, c'est savoir comment on va le faire pour y arriver. Le Ziel im Fußball ist immer, dass man ja, so weit oben wie möglich dabei kann sein und am Schluss sogar aufsteigen kann.
dass das jetzt im ersten Jahr nach dem Aufstieg für Delémont vielleicht schwierig ist zu realisieren, das ist klar. Das ist nicht immer selbstverständlich, dass man gerade ja, sich etablieren kann. Aber ich glaube, das haben wir schon. Und ja, wieso nicht in den nächsten ein, zwei Spielzeiten oder in der neuen Saison schon ganz vorne angreifen? La Coupe Suisse, déjà, c'est une compétition différente, c'est des matchs différents dans une saison, donc c'est pas le même ressenti qu'on peut avoir par rapport à des matchs du championnat qui se déroulent chaque semaine. La Schweizer Cup est natürlich une grosse plateforme pour se présenter, nicht nur für die grossen Mannschaften, es ist der schnellste Weg zu einem Titel, sondern auch für die Mannschaften, die in einer tieferen Liga spielen. Da ist immer die Möglichkeit, gegen einen grossen können anzutreten, super Erfahrungen sammeln. Ja, wieso auch nicht die ein oder andere Runde überstehen? Wie jetzt wir im Viertelfinale. Sind noch zwei Spiele bis zum grossen Traum. Es ist alles möglich, aber natürlich ein sehr schwieriger Weg für die Underdogs. Aber jeder Schritt, den man hier gehen kann und ja, erfolgreich kann sein, ist das natürlich etwas, was fürs Leben bleibt. Ça nous permet aussi, si on passe des tours, de pouvoir rêver un peu plus et d'affronter des joueurs contre lesquels, on va dire, pas qu'on a toujours rêvé, mais à qui on a envie de ressembler et essayer d'être pas comme eux, mais d'avoir, on va dire, les mêmes exigences qu'eux, leur quotidien, leur cadre de vie. C'est aussi ça qui est intéressant et de se confronter à ça, c'est quelque chose d'enrichissant. Gegen einen Superligist spielen im Schweizer Cup ist natürlich ja, das Highlight. C'est pour ça qu'on s'entraîne quotidiennement, c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour vivre ce genre de match et pouvoir affronter de telles équipes. Ja, zuerst einmal natürlich eine grosse Motivation, weil ein Spiel gegen jemanden, der einem von der Liga her überlegen ist. Ja, man weiss, man muss wirklich 100% fokussiert sein und eine gute Leistung bringen, nicht nur allein, man muss die anderen mitziehen. Ich glaube, auch gerade als Goalie die anderen pushen. Es muss jeder Spieler muss ans Limit gehen. Après, oui, c'est sûr que ça change. Je pense, comme je l'ai dit, au niveau des entraînements, eux, ils s'entraînent tous les jours, ils ont tout qui est mis en œuvre pour pouvoir réussir. Nous, on est quand même dans un monde aujourd'hui qui tend vers du semi-professionnel, donc on est quand même plutôt bien encadré, même si on a encore des marges de progression. Il y a des personnes ici, ça fait combien de temps que vous attendez? 7 ans pour jouer à ce niveau-là. C'est natürlich so, dass man wirklich 90 Minuten fighten muss und jedes Prozent Konzentration muss ausschöpfen, dass man am Schluss wirklich auch 90 Minuten gute Leistung bringt. Ça permet aux amateurs de pouvoir potentiellement se confronter à quelque chose de différent. Pour eux, c'est une motivation énorme de se dire, par exemple, encore nous, dans un monde semi-professionnel, on joue quand même contre des bonnes équipes, les matchs, il peut y avoir du public, etc. Mais demain, je sais pas, tu as un joueur Monterrey qui aurait été à notre place. Tu t'imagines pour des joueurs comme ça, de jouer Singa, Lucien, ils vont faire une fois dans leur vie. Même potentiellement, nous aussi, hein, c'est une fois dans notre vie. Mais tu joues pour ça, en fait. Cette coupe-là, tu la joues pour ça. Tu la joues pour pouvoir vivre de grands moments. C'est exactement ça, vivre de grands moments. C'est juste ça. An und für sich ist natürlich etwas, wo die besten Mannschaften sich messen, wo zusammenkommen. Und jetzt im Viertelfinale mit den besten 8 Teams darf man sich in der Schweiz so vertreten, den Verein so vertreten. Und ich glaube, der SC Delémont hat eine gute Werbung für sich gemacht. Et c'est surtout oui, aujourd'hui c'est beaucoup de rêves, on va dire, d'atteindre les quarts de finale, de pouvoir jouer Servette et pourquoi pas potentiellement encore passer. Surtout qu'on a éliminé déjà de grosses équipes, que ce soit Saint-Gall ou Lucerne. Donc oui, ça nous permet de rêver et de changer un petit peu le quotidien et des semaines qu'on peut avoir à l'entraînement. Donc oui, c'est une vision différente et c'est un véritable... Aujourd'hui, ça peut être un rêve. Et peut-être qu'il y a encore l'un ou l'autre highlight dessus. On verra. On rêve, on peut rêver grand et approcher ces matchs différemment avec beaucoup de fierté et d'envie et remplir le stade, avec les émotions qu'on a eues, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très beau à vivre. Et peut-être qu'on le vivra qu'une seule fois dans notre vie, ou pas. Mais en tout cas, il faut en profiter à 100%. Et donc, aujourd'hui, la Coupe Suisse, c'est quelque chose de significatif et un plus dans notre saison.
Ouais, moi, j'aime pas trop mettre les écouteurs, la musique, être dans ma bulle. J'aime bien m'ouvrir un peu à tout ce qui se passe autour de moi, ressentir les choses. J'aime discuter, rigoler. Et ouais, toujours dans la joie, la bonne humeur. Et même si des fois, certains peuvent penser que ouais, faut se concentrer, faut être un peu strict, rigide avec ça. Mais moi, c'est pas du tout ma manière d'appréhender les choses. J'ai besoin de justement d'évacuer les choses, de rigoler, de ressentir les choses, d'être avec mes coéquipiers, de ouais, dans la bonne humeur. Et je pense que c'est comme ça que je me sens le mieux, en tout cas pour ma part. Zu so einem Spiel sollte es nicht anders sein wie auch bei jedem anderen. Ob Meisterschaft oder Cup oder schlussendlich auch ein Vorbereitungsspiel. On a mis des choses en place avec le staff, les joueurs. On savait ce qu'on devait faire pour pouvoir passer, notamment pour pouvoir faire un bon match. Après, on avait les cartes en main. C'est sûr, le premier match contre Saint-Gall, un dimanche après-midi. Il faisait très très beau, on voit beaucoup de monde arriver, c'est une effervescence. On le vit d'une manière différente, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a su faire un grand match, c'est on l'a appréhendé de la bonne manière. On est resté plutôt tranquille, on n'était pas sûr, mais on sait qu'on a de la qualité et on pouvait faire quelque chose de grand. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes pour pouvoir réussir à gagner ce genre de match, d'être conscient qu'on peut le faire. Et je pense qu'on avait tous conscience de ça. Et le staff nous a bien transmis ça. Donc ouais, je pense que c'est un match différent, mais en termes, pour moi, pour ma part, je l'ai appréhendé comme un match tout à fait classique, quoi, de la même manière. Zweite gegen Luzern sogar zu Null können spielen, wegen ein kleines Extra, wenn du als Goalie zu Null kannst spielen gegen einen Superligist in einem Cup-Achtelfinale. Ja, ist das natürlich bislang der schönste Moment. Ich hoffe, dass ich Ende Saison dann sagen kann, es ist noch schöner gewesen, wenn wir in den Halbfinale eingezogen sind. Das werden wir sehen, aber das ist ganz klar von den Emotionen, vom ganzen Drum und Dran, von der Stimmung hier in diesem Stadion, in der Blancherie. Es ist, ja, es war wirklich atemberaubend gewesen und ich glaube, das ist etwas, das wird man dann später noch mal den Kindern erzählen. Das ganze Gefühl, das man hier hatte, nach dem Spiel, die Freude von der Fans, von den Zuschauern, die auf den Platz gekommen sind, das ist etwas, das nimmst du mit, das vergisst du nie. Quand je marque ce but contre Saint-Gall, le 2-1, et que je mets cette tête, en fait, quand j'y repense, tout va très vite. Et au moment où je marque, l'explosion qu'il peut y avoir autour, en fait, je sais pas comment le décrire, ça met la chair de poule et on est dans un autre monde, en fait. Et ce moment-là, il est vraiment magique pour moi, il était vraiment marquant. Positif par la suite. Cette fois-ci, ce n'est pas le pied gauche de Chalam, mais le pied droit de Vider qui va tirer ce corner. Corner boxé directement par la tête de Fonmos, le buteur des Saint-Gallois. Et Altin Chalam qui va trouver une solution. On l'a joué. Récupère avec Vider. Vider sur le côté droit dans les 16 mètres. Vider qui cherche un centre. Là, en retrait, c'est contré. Mais Vider qui va pouvoir récupérer pour Turquesse à l'entrée des 16 mètres qui trouve et sur le on côté. A suffi. Et goal! Oui, c'est le petit filet intérieur finalement que Matteo Ciesca a trouvé avec la tête. On marque pour soi, mais on marque aussi beaucoup. En fait, c'est pas quelque chose d'individuel. Ce but-là, en tout cas, c'est vraiment se dire qu'on peut faire gagner une ville, faire gagner un club, faire gagner un canton. Et puis, comme je dis, cette sensation au moment où je tape le ballon, que je le vois rentrer et que les gens s'en rendent compte. Je peux même pas le décrire tellement c'est grisant, ça met la chair de poule et après on sait plus où on est, je couvre un peu n'importe où, je suis rien de préparé, c'est voilà, ça vient comme ça vient. En plus, je suis défenseur central, je suis pas attaquant, je marque pas tous les week-ends, donc ouais, c'est sûr que c'est des moments c'est des moments forts et comme je dis, c'est un jour j'ai des enfants où voilà, c'est regarde papa ce qu'il a fait, il a marqué un but, il y avait du monde. C'est quelque chose de beau, quoi. C'est des souvenirs qu'on pourra montrer. Et voilà, donc ouais, très très content. Pas que pour moi, mais pour, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est autour, quoi.
die ein oder andere Träne habe ich müssen verdrücken. Es war sehr emotional gewesen, mit dem ganzen Support auch von der Familie, wenn du deine Familie siehst, die bei dir ist, deine engsten Leute. Die können wir supporten, Freude haben, Zuschauer, die Woche für Woche hierher kommen und können dich von Herzen umarmen und bedanken sich bei dir. Dann wird man schon ein bisschen emotional, aber ich glaube, auch das gehört beim Sport dazu. Ohne Emotionen wäre es ja nicht einmal halb so schön. Quand tu es sur le terrain, que tu vois ces gens autour de toi qui te regardent, ou quand tu fais un tir, quand tu fais une intervention, tu sens qu'il y a un petit soulèvement, eh ben, ça te motive deux fois plus, ça donne envie de faire beaucoup plus de choses en fait. C'est le moindre petit truc, eh ben, collectivement ça encourage plus les autres, tout le monde a envie de faire beaucoup plus les uns pour les autres en fait. Après c'est sûr quand tu as le coup de sifflet final aussi, que ce soit Saint-Gall ou Lucerne, les gens qui rentrent sur le terrain, la communion qu'on peut avoir avec les gens tout de suite en fait, ça lie beaucoup avec les gens parce que on oublie tout en fait, tous nos problèmes, tout ce qu'on peut avoir dans le quotidien et tous nos tracas, en fait, tout est oublié et on est dans un autre monde et on vit cet instant magique tous ensemble. T'oublies tout et c'est vraiment, franchement, c'est magique. En fait, c'est cet esprit coupe des matchs à élimination directe qui te transcende. C'est ça qui est beau en fait, c'est cette magie-là, c'est ce qu'on appelle la magie de la coupe. Ça te galvanise, ça donne quelque chose de plus. À vivre, je le souhaite à tout le monde, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Pour ce tirage au sort pour les quarts de finale Servette, je pense que c'est encore un niveau supérieur. Ils ont joué les Coupes d'Europe, ils ont joué l'AS Roma il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont fait match nul. Je pense que c'est encore quelque chose de différent. On sent que Servette, c'est le Servette de Genève, quoi. Et il y a des très très bons joueurs, je pense. Même encore. Pas négliger les autres équipes, mais sur le papier, Servette de Genève, je pense que c'est costaud. En tout cas, pour moi, qui ai grandi en étant français, quand on me parle de la Suisse, je suis plus Servette de Genève que Lucerne, par exemple. Donc, je suis très, très content et heureux de pouvoir jouer Servette. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et qu'on va faire encore un exploit. Qui sait, on ne sait jamais. Jamais 203, comme on dit. Donc, très heureux de pouvoir jouer ce quart de finale. Wenn du Fußball spielst, denkst du, hast du immer ein grosses Ziel. In dieser Saison, bist du noch im Viertelfinale dabei. Vielleicht kannst du gegen einen übermächtigen Gegner, so scheint es mit Servette, der international gegen Rom spielt und auch dort Punkte einfährt, zum Beispiel, denkst du dann trotzdem, wieso nicht nochmal eine super Leistung bringen mit der ganzen Mannschaft und ins Halbfinale einziehen? Und dann ist alles möglich. Also, ich glaube, wenn man das könnte realisieren, ist glaube etwas, was noch nie da war, dass eine Promotion-Ligist im Finale steht. Wir werden jetzt einmal, wie man so schön sagt, Kirche im Dorf lassen und wollen jetzt nicht übermütig werden. Aber das wäre natürlich etwas, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber für das shootet man und für das geht man auch auf den Platz dann, am Schluss im Viertelfinale gegen Servette. Und man gibt alles, um dem Traum nochmal einen Schritt näher zu kommen. Au fur et à mesure qu'on avançait dans la coupe et que les matchs venaient, que les gens étaient de plus en plus avec nous, venaient plus aux matchs et en fait on sentait qu'ils y croyaient aussi en fait, et ça nous a donné cette force de pouvoir y croire aussi. Et en fait tous ensemble, ben, c'est beaucoup de petites choses qui sont alignées qui ont fait qu'on a pu franchir ces étapes-là en fait. Je pense que c'est pas nous tout seuls, c'est le staff, ok. En tout cas, on est au prochain coup. Je veux être à la télé, je veux qu'on me pompe, je veux qu'on fasse, on veut être les meilleurs. On s'est serré, non les gars, on s'est serré. Les joueurs, ok, ça c'est déjà une, une,
une identité. Moi, je fais partie de la catégorie de ceux qui veulent tout gagner. Je joue au flash contre Fritz, je veux le battre. Aujourd'hui, je joue contre Soler, je veux gagner. Il n'y a pas, je suis premier, tant mieux. J'ai 8 d'avance, j'en veux 10, j'en veux 15. Je veux qu'on me pompe. Très clairement. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Ce qu'il y a autour aussi, les supporters, le 28 poil, etc. Tout ce qu'on a pu voir, les publications, ben les gens y croient de plus en plus et ça nous donne de la force. Et de se dire, ben ouais, on est capable de le faire. Pas parce qu'on est deux divisions en dessous qu'on est moins bon qu'eux. Sur un match, tout est possible. On a deux bras, deux jambes, on est comme eux. Et c'est ce qui nous a aussi permis de pouvoir y arriver. Tous ces enchaînements, tous ces petits détails qui se sont mis les uns après les autres et qui ont fait que les planètes se sont alignées, comme on dit. Donc, L'équipe, tu vas se battre ensemble et tu vas rien lâcher. Déjà, je pense que le parcours qu'on a fait en coupe, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Qu'on aura les uns avec les autres quand on se verra dans 20 ans et qu'on en reparlera, c'est quelque chose, je pense, qui sera gravé en nous. Vous avez la réponse de ce que vous voulez faire. Et je pense que cette équipe de Delémont-là. Et ce genre de match, elle lance l'aventure que nous, on veut écrire. Sur cette année-là, ben, elle va. Je pense qu'elle va rester dans l'histoire, alors, parce qu'elle aura fait vivre quand même des belles émotions au canton du Jura et au Delémontin. De nouveau, c'est magnifique, franchement. Incroyable. Ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire sui montagna. Bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
sur ce quart de finale, que vous ferez tous l'effort de pouvoir venir et nous encourager comme vous l'avez fait auparavant. On va essayer de se donner au maximum et de faire les choses comme on les a toujours fait. Et puis allez donner mon. Tout le monde ici à Delemont, surtout le 28 Squad pour le support. J'espère que je peux vivre encore beaucoup de beaux moments à la boulangerie. A plus. Non, à bientôt. Non, c'est à bientôt. Hein. À bientôt. Oh putain. On a gagné.
Bonjour, je m'appelle Steven O'Brien. C'est lui qui traduit pour les vidéos. Non. C'est Netflix. Non, ouais, vas-y.